Oui, tu es là. Faites quoi, les gars? De la lutte! Terre de lutte, quoi! Oui, enfin... Mais terre de lutte... C'est terre de résistance! La lutte dans le sens résistance! Ah, merde! Ah, c'est sûr. C'est pas la lutte le tatami, là? Vous êtes cru où? Ah, c'est la boulette. Un peu, ouais. C'est la boulette. Allez, dégagez, il y a des gens qui rentrent! Oh. On va... y va. Oui. Okay. Non mais terre de lutte, porte quoi. On se bat pas au cinéma. Vous êtes des gamins quoi. C'est la minute Festivache. Bonjour et bienvenue sur la 14e édition du Festivache. Festivache 2020. Mais j'étais en train de faire un truc hyper sérieux. Et cette année, une fois de plus, le Festivache a lieu ici au Cinéma Paradiso. Allez, n'hésitez pas à vous faire visiter un petit peu là. C'est vendredi, ça démarre lentement, mais ça va démarrer. On va rentrer dans le cinéma. Alors parce attention, on se les caille. Distance de sécurité quand même. Allez, vas-y, passe devant. Cédric, qu'est-ce que c'est que le Festivache? Eh bien le Festivache, c'est un festival de rencontres cinématographiques et rurales. Alors c'est 50 films qui vont se répandre sur 10 jours, avec des films en compétition, des prix qui vont être remis. Oui, c'est vrai. Le petit programme. Soyez nombreux. Très important, toutes les infos sont dedans. Les résumés des films, la programmation, tout y est, c'est un petit bijou. Alors, avant de vous rendre dans les salles pour voir les films, bien sûr, vous allez passer dans ce couloir où il y a l'exposition photo. Là, cette fois-ci, c'est pas une exposition photo, c'est des peintures. Mais n'hésitez pas à prendre le temps de les regarder. Les salles de cinéma sont derrière moi. Première salle, deuxième salle en bas des escaliers. Les projections sont juste derrière. Et c'est à ce moment-là qu'on doit parler plus doucement. Oh, une vache!